ce serait peut-être pas plus mal, vu qu'en plus je gagne quand même pas mal de points d'expérience. Il me semble que j'en ai quand même gagné 7000 ici. Ce serait peut-être bien justement de faire de l'XP, ouais, franchement, ça pourrait être bon, quoi. Qui c'est qui équipe les capes encore? C'est elle. Et voilà, hop. Let's do it. Donc ce serait bien de monter, je sais pas, niveau 50, un truc comme ça, même un peu plus, s'il y a moyen. Parce qu'après tout, ça peut pas faire de mal, parce que vu comment Meridi a réagi en rentrant ici, ça pue, hein, disons-le clairement. Donc je vais passer pas mal de temps, je pense, à explorer la zone, pour faire un peu d'expérience en même temps que de récupérer les coffres. Et dès que je sens que je suis pas loin du boss, j'irai pexer un peu. Note Q n'aime pas les mini-jeux. Oui, non, j'ai noté que j'aime ni les mini-jeux, ni les labyrinthes. Oh, un cristal noir. C'est quoi le cristal noir? Là. Augmente l'habilité d'un crémel bleu de plus 2. Ah! Coffre! Cristal foudre, ok. Et symbole mystique, c'est quoi le symbole mystique? Ah, ça peut être équipé. Un emblème mystérieux réduit le temps pour... Ah oui, ça oui, tout de suite. Toi. Tu mets trop de temps à activer tes sorts, c'est horrible. Oh, de la mienne! Enfin, des médusas plutôt. Vous voyez combien qu'elles peuvent nous pétrifier? Allez. Bon, y a pas que dans les Tales of que j'aime pas les labyrinthes ou les mini-jeux. Hein. Enfin, c'est pas que j'aime pas les mini-jeux, mais dans l'Eternia, pour l'instant, tous les mini-jeux qu'on a trouvés n'ont fait que ralentir l'histoire, quoi. Parce que c'est des mini-jeux qu'on peut pas éviter et qui, en gros, servent à rien, quoi. Q, si tu tombes sur un mini-jeu, mélange... Oh, un mini-jeu mélangé à un labyrinthe, je pense que je pique une crise. Mais vraiment une crise. Voilà. Ah non, c'est 3000 pour l'expérience que je gagne. Ok. Les 8000, les 7000, c'était l'argent. Ok. Mais bon, 2000 pour l'expérience, presque 3000, c'est quand même pas mal. Hein. Let's do it. Ah merde, ouais, j'étais congelé, vous en avez bien. Par contre, il y a un truc que je vais quand même faire maintenant, c'est rediminuer tout ça parce que ils vont gaspiller leur point de mana un peu pour rien. Voilà. Voilà, hop. Ah bah, il y a encore les crimels qui montent de niveau, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Droite ou gauche? Droite. J'ai bien fait parce qu'à gauche, il y avait un cul-de-sac. Cul-de-sac que je vais pouvoir bloquer, je pense. Enfin, combler. Qu'est-ce que c'est que ces monstres-là? Ils sont affreux. Oh, c'est dégueulasse. Complètement dégueulasse, franchement. Allez. Eh, purée, mais il en met du temps à se relever. En fait, il est envoyé au tapis par un coup de poing des ogres, il met un temps fou à se relever. Eh, debout! Allez. Allez, debout! Voilà. Ah, y a moyen de monter rapidement de niveau, n'empêche, hein, vu tout ce que je gagne. Bracelet mithril. Ah. Voilà, hop. Par contre, j'ai plus de mana. Non, c'est quoi que je voulais faire, c'est ça. Équiper. Bracelet mithril. Voilà, ici. C'est pour lui. Ah oui, 200 défense quand même, ça je prends, ça c'est clair.
Let's do it. Allez, je suis congelé, bouge. Demon twist. Honnêtement, dans cette grotte, il y a moyen de flexer pas mal, quoi. Ah merde, je suis mort. Bon, par contre... Allez! Moi, c'est pas encore trop grave si j'ai pas de mana vu que je suis surtout un attaquant, mais bon. Allez! Ah, on dit les... Ben voilà. Allez. Voilà. Level up. Ouais. Ah, 3000 points d'expérience. C'est génial. Oui, je vais grimper de level à une vitesse faramineuse. Hop, voilà. Donc on repart dans l'autre sens. Attends, ça va être des énigmes, je le sens, pour avoir tout. Let's do it. Mais au moins on a déjà fait un côté, c'était pas mal. Je veux pas savoir ce que représentent ces monstres. Mon imagination fait déjà beaucoup de travail. Je veux pas qu'elle en fasse plus. Voilà, hop, et voilà. Encore un level up, ouais. Je vous le dis, ça va monter très vite ici, hein. Ça va être monstrueux. Par là. Hop. Oh, purée. Let's do it. Heal. Allez. Twin palm strike. Wind blade. Te voir au donjon me rappelle moi tout à l'heure. Tiens donc. C'est vrai qu'il y a des donjons qui sont vraiment atroces. Oula, il y a eu un bug. Non, c'est bon. Allez. Allez, debout. Ah, Ifrit, il y avait longtemps, tu vois. Yes. 3000 points d'expérience, c'est génial. Hop, voilà, là, il y a un coffre. Des gants de diamants, ça c'est pour l'autre, Pharah. Oh, oh génial, génial, je prends tout de suite, mais c'est obligé, hein. Let's do it. Vas-y, invoque Ifrit tout de suite, il y a longtemps qu'on l'a vu Ifrit. Là, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas vu Celsius ni Volt en combat. Si tu levels autant dans cette grotte, attends-toi à un boss ardu. Oui, c'est clair en fait, hein, mais bon. En même temps, j'ai pas vraiment pexé non plus au cours de l'aventure. Hein. J'ai avancé tranquillement sans vraiment faire de farm. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. J'ai pas pris le temps de m'entraîner vraiment. Ah, debout! Mais trop de temps à se relever! Mais allez, putain, il me met à terre tout de suite. Bon, en même temps, tant qu'il s'acharne sur moi, au moins, il s'acharne pas sur les autres. Ah, Ondine! Ah non, c'est pas Ondine, c'est Celsius! On l'a pas encore vu, Celsius! Ah, mais putain, elle peut pas le faire, c'est une blague! Allez, je veux voir Celsius, moi! On l'a pas encore vu! Elle a encore jamais été appelée Celsius. Voilà. Oh, trop belle!
Celle-ci, c'était trop belle. Oh, génial. Mais bon, bah, il nous manque plus que Volt, hein, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a par là? Y'a rien? Non, y'a rien par là. Let's do it. Je suis mort. Encore. Ah oui, celle-ci c'est trop classe, hein, c'est clair. Ah non, tu l'as pas encore vu en fait. Ah merde, Meridi. Putain, faites un effort pour rester debout quand même. Par contre, ouais. Mais Reddy, putain, t'es chiante, debout. Allez. Voilà, ça y est. Ooh, that was close. Alors... Oula. Déjà, point de sauvegarde. Attendez. Non, ça on va les garder précieusement. Hop. Là. Ça pue, ça sent le boss, honnêtement. Donc je crois qu'on va faire demi-tour. On va encore continuer à explorer un petit peu. Hein. Ça pue un petit peu trop pour moi. Allez. Allez, allez, hein, oh. Voilà. Ton explosion a servi à rien, mais c'est pas grave. C'est pas un passage. Ah non, je crois que c'était un passage. Ok. Alors, on va retourner en arrière pour explorer un peu plus quand même. Let's do it. Sonic Fish! Fireball! Fireball! Freeze Lancer! Spread! Super Sonic Fish! Lane War! Ok, Undini. En fait, il nous fait un plaquage, c'est pour ça qu'on a du mal à se relever. Ok, level up. Et les criminels aussi, ils level up, c'est super. Hop, on continue par là. On va retourner par là. Let's do it. Swallow dance. Ah! Spread. Sonic fist. Ice needle. Ah, il m'a allé, Ice needle. Ha. Ha. Allez, hein, debout! Voilà. Did we get him?
va encore bientôt monter de level. Alors par contre, on va aller voir un peu en haut ce qui se passe. Ah bah voilà, là il y a un coffre. Oh, un tyrannosaure! Tout le monde avait peur des méchants tyrannosaures. Pardon. Bon, c'est pas, c'est sûrement pas un tyrannosaure. Enfin, si c'en est un, il ressemble pas beaucoup au tyrannosaure qu'on connaît, mais bon. En tout cas, un tyrannosaure, ça crache pas de feu, mais bon. Ah, on est mort. Enfin, on est mort. Presque. Ce serait bien qu'elle récupère de la mana aussi, parce qu'elle a plus rien. Elle est vidée, hein, la peau. Ah, mais il fait mal! J'aimerais essayer un truc. Oh mais merde, j'ai plus de vie. Enfin, j'ai plus de vie, on m'a soigné. Hé, hey, putain, c'est une blague! Putain! C'est quoi ce tyrannosaure de compétition? C'est bien joli, mais s'il y a un boss qui m'attend, j'aimerais bien garder quelques fioles de vie, moi. Une lance. Oh putain! En plus, c'est vrai que j'ai déjà l'épée de dragon qui fait horriblement mal. Et la lance rouge, elle est où? Là. Bon, évidemment, elle est alliée au feu. On va plutôt prendre ça. Ah, salut Zelda! Bah, bienvenue sur... Bienvenue sur mon live d'Eternia. Par contre, je vais juste sortir un instant parce que malgré tout, on a quand même pris cher. Oh purée, elle est belle, l'épée. Ah, tu es belge aussi? Ah bah c'est cool. Comme quoi, il faut venir sur Eternia pour retrouver des Belges. Allez. Bah en tout cas, j'espère que ce petit live te plaira. Même si je suis déjà quasiment à la fin du jeu. Mais bon, après tout, il n'y a pas de mal. Ouais, c'est vrai que l'épée est énorme. Ah, level up. Ça, c'est cool. Ah, je crois qu'on ne peut plus sortir. Let's do it. Allez. Le sort zéro absolu. Ouais, c'est vrai qu'il est bien fait, le sort zéro absolu. Franchement. Moi, je dois avouer que j'ai kiffé la... J'ai kiffé l'invocation de Celsius, quoi, avec son loup. Elle était trop belle, quoi. En plus, on l'avait pas encore vue. Franchement, je crois que c'est une des plus belles que j'ai vues pour l'instant. Hein. Tout ce qui touche au tel off te plaît? Ah bah, c'est cool. Je sais pas encore trop lequel je vais faire après celui-ci. J'hésite encore, en fait. J'hésite entre faire un tel off qui est sorti chez nous et un qui est pas sorti en fait chez nous. Donc voilà. C'est un peu ça le problème pour l'instant, c'est que j'hésite sur lequel je vais faire. Ah oui, il y a ça aussi. Tu peux le lire? C'est très vieux, il en manque une partie, mais Reddy ne peut pas le lire. Bah oui, évidemment, ça aurait été trop beau.
Alors, déjà de 1. Let's do it. Oui, n'hésite pas à follow, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Allez, on dégage. Rebirth Destiny 2 si tu fais dans l'import. Ben en fait, c'est pas dans l'import parce que je les ai sur émulation en fait. Et moi j'hésite à faire le... Après celui-ci, j'hésite à faire le Legendia en fait. Mais le problème c'est que Legendia est en anglais donc... Et je suis pas très doué en anglais donc... Faudra pas s'attendre à ce que je le traduise. Moi j'y comprendrai ce que je comprendrai mais... je ne ferai pas de traduction. On va camper. Combien est-ce qu'il me reste d'objets n'empêche? C'est bien joli tout ça, mais. Niveau fiole de vie, c'est pas folichon. Hein. Je vais voir pour retourner en ville pour. Faut faire le Berseria, il est même pas encore sorti, t'es marrant toi. Let's do it. Voilà, boum. Perso, ça me gêne pas, je comprends l'anglais écrit presque aussi bien que le français. Ah bah c'est cool ça. Je vais pas dire que je le comprends bien, mais j'ai quelques bases qui me permettent de comprendre certaines choses, donc ça peut aller. Mais faut pas me demander de traduire correctement ça. Je ne comprends pas tout, mais je me débrouille quand même assez bien pour ce qui est de l'écrit. Donc ben, je ferai peut-être le Legendia après celui-ci. Quitte à faire des telles offres que je connais pas, ce serait bien de les découvrir avec tout le monde en fait. Pas bon. Ça reste mon point de vue. Mais ça peut être intéressant de faire des tell-offs qui sont pas sortis chez nous, justement. Pour montrer que la saga des tell-offs est quand même bien plus grande que ceux qu'on a chez nous. Parce que nous, on en a quoi? On en a 5, 6, un truc comme ça. Et il me semble qu'il y en a une 15-20. Pour dire à quel point on en a eu très peu, nous. Tu seras le traducteur, ne lui en demande pas trop non plus quand même, faut pas exagérer. Hein. À peine arrivée, je veux pas qu'elle se sente exploitée. Hein. Let's do it. Ah, tu connais le Legendia en plus? Ah, moi je le connais pas du tout le Legendia en fait. Ah bah tant mieux si tu connais le Legendia, comme ça moi je le découvrirai. Il y a 16 épisodes principaux. Ah d'accord, c'est ça. Oui, et nous on en a quasiment pas, nous, en Europe. On en a, comme c'est ce que je dis, 5-6, avec le Berseria qui est de sortir bientôt. Mais sinon, à ce niveau-là, on est un peu pas gâté niveau Tales of. Allez hop. Ah oui, quand même. Eh bah purée. Mais comment t'as fait pour avoir ceux qui sont pas sortis chez nous, tu les as fait en import alors? Oui, moi aussi j'adore cette saga, c'est clair que c'est vraiment une saga que j'aime énormément. Allez hop, on y retourne. On est quel niveau? 49, ok. Let's do it. Allez. Twin palm strike. Explode. Voilà. Ah, level up pour Ifrit, c'est cool. Bah, toi qui les as tous faits, justement, je me posais une question parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a essayé de faire une chronologie des Tales of, même s'il n'y a pas réellement de chronologie.
Est-ce que t'as remarqué des choses qui pourraient justement faire croire qu'il y aurait une chronologie possible ou pas? Parce que moi j'ai remarqué quand même quelques détails qui pourraient croire que certains Tales of viendraient après d'autres, sans pour autant être vraiment liés en fait. Ah ouais, quand même. Un peu purée. Eh bah, félicitations, parce que franchement, c'est vrai que se procurer en plus la version import, c'est pas toujours évident. Bon, par contre, je sais pas du tout si j'ai le level pour le boss qui m'attend. Déjà que j'ai eu énormément de mal à éliminer Yades. Je sais pas ce que ça va donner ici. Allez. Voilà. Il y a une certaine chronologie, ouais, il me semblait bien. C'est pour ça, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui a essayé de faire une chronologie, qui me semble assez logique en plus, vu ce que je connais de certaines sagas. Et je voulais suivre, je voulais faire mes let's play en suivant cette chronologie, tu vois. C'est pour ça que j'hésitais entre deux tell-off pour le suivant. Ah bah c'est cool ça. Ah oui, là je farm comme pas possible, hein. C'est dingue. Ah oui, quand même. Bah oui, c'est ça que je dis, ça coûtait horriblement cher quoi. Ça, entre 3000 et 4000 francs belges pour les jeux, c'est clair que c'était cher. Hein. Mais ça, l'import, ça a toujours été cher. Hein. Ok, on va arriver au niveau 50. Let's do it. Allez! Demon twist, nurse. Demon twist. Oh, y a trop de monde sur la map, je vois plus ce que je fais. Et l'autre il est mort. Ouais, maintenant avec les émulateurs, tu peux avoir tous les jeux préférés sur PC. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce que j'ai fait. Même si je suis une grande collectionneuse de jeux et que j'aime bien avoir mes jeux en réel, quand je sais pas les avoir, bah, je les prends sur émulateur. Merde, j'ai accéléré le jeu, pas fait exprès. Avec ça, je me suis fait buter. Et l'autre, elle a déjà plus de mana, mais c'est pas possible, quoi. Elle fait quoi avec son mana? Allez, hein! Emmène-moi, Pharah. Allez, Pharah, ressuscite-moi! Bien sûr, elle y arrivera pas parce qu'elle va pas arrêter de se faire interrompre. Oh là là, c'est pas possible, hein, ça. Il y a 48 Elsa dans ta collection? Bah purée, je savais pas qu'il y en avait autant! 48 Elsa! Il y en a autant que ça? C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la tendance des jeux dématérialisés maintenant, parce que je vois pas l'intérêt. Je préfère vraiment avoir mes jeux en réel. Mais voilà. Maintenant, c'est la mode de maintenant, c'est les jeux dématérialisés. Mais bon. Je sais pas si c'est une évolution ou une régression, mais bon, ça sert à rien d'en discuter, je suppose. Je les ai tous sauf Tales of Eternia Online. Ah bah, ok.
Par contre, c'était par où encore? Par là. Let's do it. Allez. Ah, Ifrit. Il y avait longtemps Ifrit. Mais elle a plus de mana évidemment, comme toujours. Qu'est-ce qu'ils font avec leur mana? C'est possible, ils le bouffent ou quoi? Non, à lui. Je me suis bourré de personnages. Bien sûr, maintenant qu'on est encerclé, elle va pas réussir à l'invoquer. Hein. Oula, eh oh! On va quand même éviter le game over, s'il vous plaît. Ce serait cool. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir, j'ai dit. Eh oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais oh! Vous allez me lâcher, bordel de merde! Mais hé! Hey, c'est une blague ou quoi? Non, non, non! Oh purée! Purée, la fuite est arrivée tout juste! Oh! Excusez-moi, mais là, la fuite est arrivée vraiment tout juste. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est pas le moment du game over, s'il vous plaît. Mais vraiment pas. Je me suis fait gangbang, mais d'un seul coup, quoi. C'était mortel. C'est qu'à de le dire, d'ailleurs. Bon. Ah oui, Q, le décès, complètement. Ben, je suis passé très peu. Hein. 48, mais attention, il y a des ports, genre les terres. Ah oui, bah oui, évidemment. C'est vrai que le Fantasia, il est sorti sur Famicom, GBA et PSP. Donc directement, il y a des doublons, quoi. Par là. Let's do it. Et le Vesperia. Vesperia que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs. Je me suis acheté la Xbox 360 rien que pour ce jeu-là. Un excellent Tales of d'ailleurs. Moi je trouve que, enfin, de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, je trouve que c'est le meilleur. Enfin, celui qui a la meilleure histoire en tout cas. Parce que franchement, il est excellent ce Tales of. Mais allez, c'est pas une blague ou quoi? Vesperia est ton préféré? Bah oui. Honnêtement, moi depuis que je l'ai fait, c'est aussi mon préféré. Hein. C'est vrai que j'avais un gros coup de cœur pour le Symphonia 2, mais depuis que j'ai fait le Vesperia, je suis devenue une grande amoureuse de celui-là. Hein. Il est vraiment excellent. Let's do it. Super Sonic Fist. Fireball. Allez. Ouch, évidemment. Bon, vous allez arrêter de me foutre par terre. Allez. Voilà. Ah, tu prends que les versions japonaises? Eh ben purée, d'accord. Bon. Est-ce qu'on se tente ce qui se trouve derrière cette porte? Parce que je suppose que vous, comme moi, vous imaginez bien qu'il y a un boss qui nous attend là-bas. Et donc, ça va faire très mal. Allez, je sauvegarde et on teste pour voir ce que ça donne. Même si je me suis fait latter la gueule la dernière fois. Wow! Ondine! Ifrit! Ok.
Ramiel ! Non, oui, Ramiel. Saviez-vous qui repose ici ? Ce que vous avez vu avant est le sceau de Zephyr à créer. Quoi ? On a libéré Nereid, en fait ? Je me fiche de ce qu'il y a ici, je continue. Dans ce cas, vous devez d'abord me battre. Non ! On va pas se battre contre Rem quand même ! Bon bah. Alors là par contre je m'attendais à ce qu'il y ait un boss mais pas Rémiel quoi. Bon ça va, il a pas l'air de faire trop mal pour l'instant, j'ai quand même intérêt à me méfier mais bon. Mereidi, putain, tu sers à rien, Mereidi! Il a une voix de meuf ou quoi? Rem, t'as une voix de meuf ou c'est moi? Bon, s'il y en a un qui pouvait ramener avec Mereidi, ça m'arrangerait. Par contre, sa boule, elle commence sérieusement à m'énerver. Oh putain! Oh putain! Eh oh! Non mais putain, il faut qu'il se calme hein. Bon bah, ah ça y est, j'ai cru que ça allait être le game over mais non pas encore. Il y a encore un espoir. Petit mais il y a un espoir. Bon, très petit l'espoir hein. Non, j'ai déjà plus de fuel vital. Bon bah ok, ça annonce le game over. Combien de PV? Bah tant qu'on y est, ouais, vu que ça annonce le game over de toute façon. Ouais, ok. Ah, je suis conne, j'aurais dû changer. Bah non, j'ai une arme de ténèbres en plus. Comment on la lance cette celle-ci, c'est chiant. Comment on la lance la lame aurore? Il est marrant celui-là, mais voilà. Bon ben c'est game over hein, parce que j'ai plus rien pour les ramener à la vie. Hein. Ouais, bah pathétique toi-même, hein. Je t'aurai. Tu m'as surpris, mais je t'aurai. Attendez. Ouais, donc déjà là, j'ai une technique... J'ai une arme de ténèbres, donc c'est bon pour lui faire mal. Ensuite, je sais qu'il est pas sensible à la lumière. C'est ça, mais en même temps, j'ai pas d'arté de lumière, donc on s'en fiche. Par contre, j'ai... Putain, il faut vraiment que l'autre elle apprenne à soigner, à ressusciter rapidement parce que j'ai pas assez de fioles de vie quoi. Bon, bah vous savez quoi, on va farmer encore un petit peu, je pense. Let's do it. Parce que là honnêtement, je pense que Ramiel va être bien chiant à buter. Ah. C'est Rémiel en fait qui s'appelle, pas Ramiel. Bon,
Elle... Putain, ils sont beaucoup trop lents à lancer leur sort, c'est monstrueux, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est quoi que je cherche? Orange. Non. Voilà, c'est ça. Ils sont beaucoup trop lents à lancer le... leurs artés. Je sais plus parler, c'est horrible. Meredith va crever si on ne fait rien. Mais Meredith, elle meurt tout le temps, quoi. C'est pas possible. Mais moi, je suis mort aussi, voilà. Non. Para. Allez, vite, 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 vite. C'est trop long. Purée, Farah, je t'ai pas donné un truc pour que tu fasses tes... ta magie plus vite ou quoi? C'est pas possible. Si, tu l'as en plus, c'est pas possible. Pourquoi c'est si long pour lancer les sorts? Ah oui, non, mais attends. Je viens de comprendre. On va reprendre Excalibur pour l'instant. Pour le reste du farm, on va reprendre Excalibur parce que l'épée que j'avais avant n'est pas utile. Du moins, pas contre certains monstres. Ok. Alors. En plus, il faut encore que j'aille racheter des fioles de vie. Allez, debout! Demon Twist. En même temps, je te rappelle quand même, Jean, qu'il m'a quand même fallu 5 tentatives pour réussir à buter Yades. Hein. Mais bon. Là, si je peux avoir... si je peux profiter de faire du farm, on va faire du farm. Hein. Je gagne quand même pas mal de points d'expérience ici, donc... Allez. Ah! Ce qui me tue, c'est la vitesse à laquelle Farah perd ses points de mana, quoi. C'est pas possible, attendez. Réduit la consommation des MP de 1 tiers. Voilà. Avec ça, ça sera plus utile. Demon Twist! Heal. Explode. Allez. Nurse. Allez, allez. Voilà. Ok, ça monte bien. Et ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. De l'expérience, on en prend. Hein. Je pourrais même pexer jusqu'au niveau 60, je pense. Let's do it. Demon lightning aïe, aïe. Twin palm strike. Demon Twist! Eruption! Demon Twist! Heal! Demon Twist! Super Swallow Dance! Vous êtes chiant, plaqué au sol! Spread! Demon Twist! Allez, hop! Voilà! Allez, je gourais de chemin. J'ai fait demi-tour. Voilà. Un dernier ennemi avant de sortir de la grotte.
Allez. Allez les jeans, on meurt. Voilà. Alors, on va retourner chercher des fioles vitales. Et on va continuer à pexer tant qu'on peut, hein, après tout. C'est pas plus mal malgré tout de pexer un petit peu. Allez. Allez. Voilà. Ouais, on va camper tant qu'on y est. Let's do it. Allez. Excusez-moi, je grignote en même temps, j'ai faim. Fireball. Faudrait que je regarde un peu les nouvelles articles qu'il a read, parce que c'est vrai que j'ai pas. Je vérifie pas souvent ça. Oh putain, il a des trucs super intéressants en plus. Ouais, ça on sait. Merci. Tempête Oméga. Ok. Bon, les autres, on va les garder. On verra bien ce qu'elles font. Ah, ça se comprend, il est 16h passé, en effet, donc c'est pour ça que j'ai faim. Let's do it. Omega Tempest Strike. Wind Blade. Twin Palm Strike. Lane Warhawk. Ifrit. Allez, invoque-le tant qu'on y est, après tout. Sonic Fist. Non, elle l'a pas invoqué, ok. L'IA a décidé de me faire un troll. Voilà. Bon. Je vais encore retourner chercher des fioles vitales. Parce que je sens que je vais en avoir besoin malgré tout. Let's do it. Voilà. Ah, level up pour Meredy. Ouais, wow, non, c'est la dernière qui a monté de level. Hop, voilà. Alors. Hop, gelée de pomme, fiole de vie. C'est vrai que je devrais penser aussi à faire la cuisine, parce que ça peut quand même être utile pour certains trucs. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup trouvé. J'ai pas beaucoup trouvé le cuistot, donc. Ah oui, on peut même le faire automatiquement, c'est vrai, ouais. Guérir les HP des alliés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Restaure beaucoup de MP des alliés, cool. Le curieux, ça pourrait être intéressant, ça. En plus, j'ai de quoi en faire, donc c'est un truc à retenir. Level up pour Meredy après un combat qui rapporte 15 XP. Oui, complètement, c'est vraiment ça.
Quand je te dis que Meredy, elle sert à rien quelquefois. C'est un peu la troll du groupe, Meredy. Mais c'est vraiment ça. Allez. Ah. Serpent ! Ils ont toujours l'air ridicules quand ils sautent comme ça. Ok. Voilà, on y retourne. Ce serait bien d'éviter de crever aussi pour ne pas gaspiller trop les fioles vitales que j'achète. Let's do it. Top, top, top. Top, top, top. Allez. Voilà. Non, j'aime bien Meridi, elle est sympa, elle est pas cruche. Mais en combat, par contre, il y a des moments... elle est lourde, hein. Je veux dire, à chaque fois que je fais un combat contre un boss, c'est souvent elle qui meurt la première. Let's do it. Sinon, au niveau caractère, j'aime beaucoup Meredy, moi. Elle est cool. Demon twist. Heal. Demon twist. Bon, les archers commencent à être chiants derrière. Allez! Omega Tempest Strike. Voilà. Hop, on y retourne. Let's do it. Nurse. Sonic Fist, freeze laser. Heal, Demon Twist. Ice Needle. Allez, hein. Allez, debout. Voilà, et comme je le disais, Meredy est encore morte. Tu peux pas la ramener à la vie, toi, plutôt que de courir comme une conne vers les monstres. Moi aussi, je suis mort comme ça. Oh putain, il y a l'autre aussi qui est mort maintenant. Bon, Meredy ramène vite quelqu'un. Encore une seule vitale qui va partir pour rien. Demon twist. Absolute. Voilà. Ah, oh, Shadow. Bah oui, c'est pas évident ça. Alors, cuisine. Parce que je sais que j'ai vu un truc. Curry. Il est où le curry? Il est là. Mais on a échoué, bon c'est pas grave. Bon, si c'est grave parce que ça a pas soigné, mais bon. Tu devais tourner sur BioShock, mais t'as pas le temps. Oh, dommage. Let's do it. Ça arrive. Demon twist. Nurse. Putain. Freeze lancer. Allez, ramène-moi, dépêche-toi, voilà. J'aimerais éviter de claquer encore mes fioles vitales, ce serait cool. Omega. Bah oui, c'est toi qui vois, hein, du coup, fais comme tu le sens, hein.
Voilà. Je peux en faire combien de curies exactement? Je peux en faire au moins 5. Ah, là, on a réussi, voilà. Ah, bah 40%, c'est quand même pas mal, quoi. C'est bon à savoir, ça. Par là. On est comment? Ouais. Y a moyen de bien pexer quand même. Let's do it. Oh, tu commences à 13h, bah oui, alors t'auras le temps de tourner au matin. Bah alors tout va bien si tu peux tourner au matin. Ah non, c'est pas cool de travailler le samedi, c'est sûr. Mais bon, cette fois, on n'a pas le choix. Let's do it. Demon twist. Mais enfin, c'est pas vrai, hein. Il y en a toujours un qui dégringole. On part à la ramener, c'est bon. Et ça va. Omega Tempest Strike. Tu vas... Allez! Omega Tempest Strike. Demon Twist. C'est ça, fais une belle explosion. Comme ça, il restera plus que les jeans. Fireball. Voilà. Bah oui, tu m'étonnes. À force de bosser, t'as plus de temps pour live. Bah mes persos ont quand même pas mal de défense, hein, tant statut. Si, de la défense, ils en ont quoi de la défense. Hein, bon, c'est vrai qu'elle, elle en a monumentale par rapport aux autres. Hein. Mais bon, attends. Je me demande si j'ai pas un truc. Ouais, déjà. Ok. Alors, déjà, on va lui mettre ça. Lui, c'est vrai que lui, il est toujours au contact. Et. On va lui mettre l'autre. Direct. Hop, voilà. C'est vrai que ces deux-là, ce serait bien qu'ils restent derrière et pas qu'ils aillent... Bah, je joue en mode normal parce que j'ai pas choisi de difficulté, en fait. Bah, quoi qu'attends. Option. Difficulté normale, ouais. Normale. Attendez. Ouais, ça oui. Pour lui, bah lui en fait il a déjà ce qu'il faut, donc voilà. Let's do it. Omega Tempest Strike. Queen Palm Strike. Oui, j'ai réussi à battre le boss. Apparemment tu t'es endormi toi. Hein. Ah pas ben, non le boss, si, non, si tu parles de Rémiel, non, je l'ai pas encore battu. Là je fais un peu de farm pour gagner des levels. Mais on va essayer de le buter. Celsius! That was easy.
on a Celsius. Je veux revoir Celsius, elle est trop belle. Attendez, je veux revoir Celsius. Et en plus, il y a Meredith qui manque un niveau, donc... Allez, montre-toi, je veux voir Celsius. Elle est trop belle, Celsius. Heal! Omega Tempest Strike! Ha, ice needle! Mais non, vous l'avez pas raté! Stalagmite! We won! Et Meredith se fiche de moi parce qu'elle a même pas pris son niveau en plus. Allez! Allez! Ah non, c'est bon. J'allais dire l'autre, elle va mourir, mais on l'a buté avant. Bien! Ok. Bah on est niveau 52, on teste. Je suis quand même deux niveaux de plus, je sais pas si ça suffira. J'en doute fort, mais on va tester. Par contre, avant, pour économiser un peu les objets de soins... Oh, il a échoué, c'est une blague! Putain, tu sais pas cuisiner, hein, pour quelqu'un qui passe son temps dehors. Alors, hop. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, le reste, on va combler avec ce qui nous reste. Non! Et niveau mana... oui. Là. Voilà, on re-sauvegarde, toujours sauvegarder, c'est important. Oui, j'en doute fort que j'ai une chance contre lui, mais bon, on va essayer. Je vais juste changer ça. Voilà, l'épée du dragon, qui est toujours ténèbres. D'ailleurs, oui, d'ailleurs Kaku... Ah oui. Bon, allez. J'accélère un petit peu. Voilà. Ah, pourquoi je me lance comme une conne sur la boule? Dégage la boule! La boule va être chiante. Non! Ne me touche pas! Me dégage la boule! Demon Twist! Demon Twist! Omega Tempest Strike. Ok, il y en a déjà un qui est mort, c'est cool. Omega Tempest Strike. Il y a Meredith qui va pas tarder à le suivre. Demon Twist. Nurse. Demon Twist. Allez. En fait, j'adore la musique de ce boss. Hein. C'est trop calme pour ce qu'on est en train de faire. Vraiment. Heal. Mais c'est une fille, Rémi, parce que j'ai l'impression qu'elle a une voix de meuf. Enfin, qui a une voix de meuf? Pour moi, c'est un mec, mais bon... par contre, Meredith est encore tombée. Putain... Ah ouais, mais je peux pas l'approcher quand il fait ça en fait. Ok, Meredith est encore tombée. On peut pas l'approcher quand il fait ça en fait. Ah putain. Ok, bah je crois que c'est game over parce que là, ça m'étonnerait fort que... Voilà. Voilà. C'était bien parti, mais c'est raté. Allez. Deuxième essai.
cette équipe. Eh, hey, ça va, il aurait cassé toi-même, hein. Allez, hop. Ah merde, j'ai pas changé d'arme. Ah oui, aussi. Non. Demon Twist. Omega Tempest Strike. Spread. Ouais, premier fail. Enfin, premier. Deuxième. Même si au premier, je m'attendais pas à affronter Rémiel. Enfin, Rem. C'est Rem ou c'est Rémiel? Moi, j'ai toujours envie d'appeler Rémiel, moi. Ok, 2-2. Putain, tu te fous de ma gueule? Je te demande de ramener, tu crèves. Ok, bon, voilà, c'est fini. Je pense faire mon live jusqu'à quelle heure? Je pense qu'on va s'arrêter là, en fait. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce magnifique fail. Et que, je reprendrai quand j'aurai fait du farm. Donc, je sais pas, je reprendrai sûrement mon live demain, après avoir fait un bon farm. Mais là, je pense qu'on va en rester là, parce que c'est pas la peine. Le combat... Là, je m'acharne, mais je crois que j'ai pas le level. Donc, je pense qu'on va tout simplement attendre demain pour continuer. Mais je vais arrêter là pour ce petit live. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est peut-être mieux. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux faire de l'entraînement. Donc, je pense que ça va s'arrêter ici, honnêtement. Let's do it. Voilà, j'attends juste d'avoir vos retours et on verra bien ensuite ce que vous en pensez. Mais à mon avis, je vais m'arrêter là. On est bien d'accord, en effet, Shadow, je pense que ça sert à rien de m'acharner pour l'instant. Il faut que je gagne des levels. Exactement. Donc voilà, donc j'espère quand même que ça vous a plu et que vous aurez hâte de voir la fin avec moi. Mais là, je vais pexer un peu de mon côté et je reviendrai sûrement demain après avoir pris au moins 10-15 levels. J'exagère peut-être, mais à mon avis peut-être pas beaucoup. Et donc je vous retrouverai donc demain. Voilà, c'est ça aussi, je poserai ma question, parce que c'est vrai que... qu'est-ce que les gens préféreraient? Que je fasse le Legendia ou le Symphonia? Puisque le Symphonia, il est sorti chez nous, donc il est plus facilement connu. Alors que le Legendia, il n'est pas sorti chez nous, donc il est beaucoup moins connu. Donc c'est vraiment la question que je voudrais poser, que je voudrais poser. Même si c'est vous, après tout, vous êtes quasiment que mes amis qui sont sur le live. Mais bon, c'est toujours bien de poser la question, hein. Mais donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce live et je vais pexer de mon côté jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà, donc je vous dis à plus tout le monde et à demain pour la suite du live alors. Ciao!